Salut à tous! Aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour une critique, on ne se retrouve pas pour un cover, mais on se retrouve pour un tag. Cette semaine, je vous avais donné le choix de la vidéo entre le début des lectures du confinement ou un tag, et vous avez été très nombreux à me répondre un tag. Suite à cette réponse, je vous avais donné plusieurs titres de tags que j'aimerais faire, et vous avez été extrêmement nombreux à me dire ton prénom en 5 lettres. Enfin, normalement, le nom du tag, c'est ton prénom en tant de lettres, mais comme je m'appelle Laura, c'est ton prénom en 5 lettres. Donc c'est parti pour le tag. Pour ma première lettre, la lettre L, eh bien j'ai choisi de vous présenter Le Labyrinthe de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Lorsque Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide, tout ce qui lui reste de familier c'est son prénom. Il se réveille au milieu d'adolescents qu'il ne connaît pas, dans un lieu étrange qu'il ne connaît pas, un lieu qui est entouré par des murs. En fait, ils ne sont pas entourés juste de murs, mais d'un labyrinthe complet. Le soir, les portes du labyrinthe se ferment et d'autres portes dans le labyrinthe s'ouvrent pour laisser entrer des monstres d'acier qui déchiquettent la moindre personne qui reste dans le labyrinthe la nuit. Et chaque nuit, le plan du labyrinthe est modifié. Le but, vous l'aurez bien compris, c'est d'essayer de sortir de ce labyrinthe. J'adore l'univers de James Dashner, j'ai tous ses livres. Tous, pas juste la saga Le Labyrinthe, j'ai son autre saga, Le Jeu du Maître. J'adore l'écriture de James Dashner et j'adore l'univers du labyrinthe. C'est fantastique, c'est rythmé, les personnages sont attachants, vraiment une petite pépite le labyrinthe. J'aime tellement le labyrinthe qu'il y a certains de mes amis qui m'appellent Newt comme l'un des personnages de ce livre et ça m'emplit de joie. Je pense qu'un jour je vais vous faire une critique des livres du labyrinthe. Ensuite, pour la lettre A, eh bien j'ai choisi Avant toi de Jojo Moyes aux éditions Milady. Comme pour Le Labyrinthe, c'est un livre qui a été adapté en film, ce qui explique la couverture avec Emilia Clarke et Sam Claflin. Avant toi, c'est un de mes livres préférés. Alors pour vous raconter l'histoire, c'est celle de Lou, une jeune fille avec une vie extrêmement monotone en Angleterre. Un jour, elle va se faire renvoyer parce que ils n'ont simplement plus besoin de ses services dans le lieu où elle travaille. Et elle va donc accepter un contrat de 6 mois pour tenir compagnie à un handicapé. Malgré l'accueil glacial, eh bien, au fur et à mesure du temps, Lou va découvrir que ce garçon est extrêmement intéressant, extrêmement intelligent, même exceptionnel. Il a fait beaucoup de voyages, il est un spécialiste du monde des affaires, enfin, elle s'attendait vraiment pas à ça. Ce fan de sensations fortes est devenu tétraplégique et ne supporte plus la vie monotone qu'il mène, et en fait, il a décidé de mettre fin à ses jours. Du coup, Lou n'a pas envie de le voir mourir et elle n'a que quelques mois pour le convaincre de changer d'avis. C'est une histoire que j'adore, j'ai énormément pleuré en la lisant. Elle est vraiment très belle, elle est vraiment très triste et elle est extrêmement bien écrite. Pour la lettre U, là j'avoue que j'ai eu énormément de mal parce qu'en regardant dans ma bibliothèque, eh bien, je n'avais aucun livre qui commençait par la lettre U. J'ai donc décidé de jeter un œil dans ma liseuse et quoi de mieux que de vous parler d'un livre que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Je parle bien sûr de Une dernière fois, le premier tome de Elsie par Catherine Francoeur aux éditions La Bagnole. Comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, c'est l'histoire d'une jeune fille, Elsie, qui était meilleure amie avec sa voisine. Sa voisine est décédée et elle veut lui faire un dernier adieu en invoquant des esprits, sauf qu'elle réveille d'autres esprits et ceux-là ne lui veulent pas du bien. Comme je vous l'ai dit, c'est une histoire que j'ai adorée et pourtant je suis pas fan du paranormal. Alors je vous conseille Une dernière fois, le premier tome de Elsie de Catherine Francoeur. Passons maintenant à la lettre R et vous vous en doutez bien, il fallait que je vous mette Riverdale. C'était impossible que je ne vous mette pas Riverdale pour la lettre R de mon prénom. Donc ça c'est mon tome préféré de la saga, c'est le 2, Get Out of Town de Michael Hosto aux éditions Hachette. Comme vous le savez, j'ai pas du tout été fan du 1, j'ai adoré le tome 2. J'ai bien aimé le tome 3, donc il me semblait logique de vous présenter mon tome préféré, Riverdale Get Out of Town. Je vous en ai déjà parlé, mais pour l'histoire, Archie Andrews est accusé de meurtre, un meurtre qu'il n'a pas commis, et il décide de partir avec ses amis Betty, Veronica et Jughead pour pouvoir prouver son innocence. Donc ils vont retourner sur les lieux du meurtre, qui est Shadow Lake, et ça va pas vraiment se passer comme prévu. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome, parce que, eh bien, il était beaucoup plus sombre, il y avait une enquête, il y avait de vrais suspense. C'est vraiment mon livre préféré pour l'instant de la saga de Riverdale. Pour ma dernière lettre, la lettre A, eh bien, c'est aussi un livre que je n'ai pas physiquement.
mais c'est À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han aux éditions Panini Books. Je pense que vous avez tous entendu parler du film À tous les garçons que j'ai aimés, mais moi j'ai trouvé les livres bien meilleurs et je vous les conseille d'ailleurs. J'ai fait quelques vidéos et quelques articles dessus, je vous laisse aller juste ici pour checker. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'histoire, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien Lara Jean Covey a 16 ans. Elle vit avec sa grande sœur Margot et sa petite sœur Kitty, ainsi qu'avec son père. Elle rêve de romantisme et d'histoire d'amour, sauf qu'elle n'ose jamais les concrétiser, et du coup, quand ses sentiments deviennent trop intenses, elle écrit des lettres. Ces fameuses lettres sont adressées à chaque garçon qu'elle a aimé. Et il se trouve que ces lettres vont finir par être envoyées, ce qui n'était absolument pas prévu dans les plans de Lara Jean. Elle va devoir faire face à ses amours passés, mais aussi présents, en particulier pour deux garçons, à savoir Josh Anderson, qui est son voisin et qui est également l'ex-petite amie de sa grande sœur, et Peter Kavinsky. Peter Kavinsky, qui est l'ex-petite amie de l'ex-meilleure amie de Lara Jean. Suite à cette lettre, Lara Jean va sortir avec Peter Kavinsky pour de faux. Lui, ça va lui servir à rendre jalouse Jen, qui est l'ex-meilleure amie de Lara Jean, et dans l'autre sens, ça va aider Lara Jean à montrer à Josh que leur histoire est impossible. C'est un livre que j'avais lu en été, que j'avais trouvé vraiment très réconfortant et très rafraîchissant. Ça se lit vraiment extrêmement rapidement, moi je l'ai lu vraiment, mais à une vitesse folle. En tout cas, voilà mon prénom en 5 livres, ça m'a permis de vous proposer 5 histoires que vous ne connaissiez peut-être pas et qui vous tenteront peut-être durant ce confinement. Si vous avez envie, je vous invite en commentaire à refaire ce tag, ça peut être vraiment sympa de se conseiller des livres de cette manière. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager à vos amis, et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !